Bonjour YouTube! Tu vois ça, c'est que voilà, c'était bien. On va pas parler de la game précédente, c'était horrible. On va faire Eve, qui a un petit oiseau sur la tête. Quand elle se fait toucher, le petit oiseau va tabasser tout le monde. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, Bum. Bum qui va manger les pièces par terre et grossir et ensuite aller faire des dégâts à tout le monde quand il aura suffisamment mangé de pièces. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense pas que ce soit un objet de start, mais par contre, elle a du déplacement, Eve, elle court vite. Hein. Elle court vite. Et voilà, et après, là, le Or Babylone qui fait que quand je suis à un cœur rouge ou moins, eh bien, je me transforme en pute de Babylone. Ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de dégâts. Je déteste cette salle déjà. Il y a plein de rochers marqués. Ma vie, c'est de la merde. Pourquoi? Non mais, voilà. Après avoir joué Magdalene, j'ai l'impression d'avoir un perso là qui est sur roller. C'est horrible. Voilà. Le roi Babylone est modifié, ouais, donc à un cœur rouge au moins, c'est ça. Au lieu de un demi. Normalement. Putain. Je vais me faire assaillir, voilà. Hey, mon oiseau du coup il est vénère alors qu'il se passe rien. Regardez-le, il est vénère. Il me suit. Corbeau de tes morts. Arasmax Nakardi Tchirbin. Je suis déchelé, moi. Mange. Et quand on est d'accord que quand Bum grossit, il grossit pour toujours. Ça se réinitialise pas à l'étage. On est d'accord. Bon, je vais aller chercher les autres salles hein, au cas où il y aurait des items à récupérer. Eve n'a pas des dégâts de nouveau-né mais de fœtus. Bah, 2,63. Ah, mais non, c'est vrai que c'est peu. Oui, c'est parce qu'elle a vocation à être la pute de Babylone. Et jusque-là, ça va. Bah, en vrai, je trouve qu'ils sont ok, c'est dommage, non? Ou alors c'est lui qui a très peu de PV? Ah, le lard, oui, non, ça va rendre plus lent. Je suis gros. Et pourquoi je l'ai pris? Putain, mais quel connard, on n'en veut pas normalement. C'est pas grave, genre des devil deals, j'y crois, moi. On n'en veut pas normalement avec Eve, on veut moins de cœur rouge possible. Mais quel connard, hein! Pour toujours, ok, bon, ça au moins c'est bien. Non, mais tant pis, je continue, mais genre j'avais dû le prendre. Quel connard! Oh, non-connaissance du jeu! Je suis gros Widow, ok. On rappelle une chanson de Mexem Suffer, évidemment. Widow! Ah! Le truc blanc, ça fait quoi? Ça fait des dégâts? On sait pas. Non, non. Ah, c'est vrai que je suis lent comme un fion. Mais. Ah, mon oiseau, du coup, regardez mon oiseau, il est vénère! Il tape dessus! Hop là! Oh là! Je suis quand même 0 dégâts, hein, puisque Widow, normalement, a 2 PV et demi. Ah bah, décidément. Bah, je prends. Récupérer tout ça. Je pense pas qu'en vrai. Je pense pas qu'il fallait. Je le prends quand même parce que je suis un connard. Mais je pense pas que, normalement, je suis censé le prendre. Le truc blanc, ça peut faire spawn des araignées. D'accord. Ah, je pensais que c'est un truc quand tu marchais dessus, ça faisait quelque chose. Salut Airbond, comment tu vas? Le cellier. Le cellier. Les araignées. Les araignées. Les araignées. Zboui, zboué. Noiridoubidou, bisboué. Voilà. Jour. Ouais, 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 ouais. Non, 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 non. Ouais, 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 voilà. Ah non, mais j'aurais dû lui laisser manger. Il faut que je lui laisse manger les pièces. Oh. Non, mais en fait, j'ai l'intime conviction que je vais avoir un devil deal de ouf à la fin de cet étage. Et que par conséquent, je vais pouvoir utiliser tous mes cœurs rouges de manière. Voilà. Là, voilà, je joue stratégiquement. Je vais d'abord tabasser celui-là. Voilà, comme ça, il peut pas m'attaquer. Voilà. On essaie de trouver une salle secrète. J'ai pas de bombe. Super. Je suis très content. Je suis très très content. Ça se passe très bien. Je suis gros. Rigolo le gros. Non, 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 non. Ma vie, c'est de la. Cassez-vous. Vas-y, mon dead bird. Regardez mon oiseau. Oh là là, il attaque les mouches. Attaque salaud. C'est bon? Ah d'accord. Allez, petrified poop. Petrified poop? Non, d'accord. Salut Matt, comment tu vas? J'ai enfin réussi à me sub, mais tu t'es pas en live. Eh bien, normalement, Matt... Ah effectivement! Et tu as partagé ton sub déjà. Merci Matt pour ton resub du coup. Bah, pour ton sub en fait, pour ton sub, pas ton resub. Bienvenue à toi du coup dans le culte. Et n'hésite pas à profiter de tes 11 émotes, de ton badge. Et n'hésite pas à lier ton compte Twitch à ton compte Discord pour avoir les émotes là-bas aussi. Partout tu iras sur Discord. Partout tu iras.
C'est la Paris Games Week encore. Ouais, pète, 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 pète. Ah, j'ai vraiment un dégât, mais anecdotique. Hein. Tiens, salaud! Tu me pèteras pas dessus! Tiens! Paf! Ouais. Poète, poète! Poète, poète! Le boss? J'ai pas trouvé l'item room. C'est où? Cherche l'item room. L'item room. Bonjour! Ah, c'est le shop là, donc non, du coup. J'aurais dû tabasser lui. Vite, meurs, 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 merci. Bah, pète, pète autant que tu veux. Meurs. J'ai vraiment pas de dégâts, hein, c'est ouf. On va pas prendre le shop, et donc l'item room doit être là par là. Ouais. Si seulement j'avais pu taper la TNT. Voilà. Tape. Oh, feu, tiens. Prends-moi ça. Rends-nous dans le culte YouTube, ce n'est que 1 euro par mois. Lol. Je sais pas ce que c'est, je connais pas l'item. On va le prendre du coup. Watch back, backstabber. Ça rappelle évidemment une musique de Boris the Blade. Allez, on y va. On y va. Je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout ce que ça fait. Aucune. Il est lent comme un cul, Dark Bum. Bum. Hop. Fistula. Fistula, je connais. Ah d'accord, ce truc là, il s'appelle Fistula. Pourquoi je. Pourquoi il est noir? Pourquoi. Alors on m'a dit la dernière fois que la version noire d'un boss, c'est la version MDR. C'est la version LOL pour ça en fait. C'est de la merde quoi. Enfin, c'est facile. Regardez-moi mourir sur ce boss. Ah ça. Ah d'accord ça. Pourquoi. Pourquoi. Pourquoi il y a du sang dessus? C'est mon item backstabber j'imagine, mais qu'est-ce que ça fait? On comprend pas. Je comprends pas. Wouah. Wouah. Je fais bien les cœurs hein. Ah. Ah. C'est bon. Et on sait. Ah ça fait. J'ai l'impression que ça fait une grosse tache de sang quand il meurt, je sais pas trop. Et le Devil Deal. Et un HP up. Est-ce qu'on est pour le HP up? Non. On va aller voir là-haut d'abord au niveau de l'île. Fais des dégâts sur les ennemis en les touchant dans le dos. D'accord, merci Gamara. Eh ben c'est nickel ça. Je vais tout prendre. Même si ça m'intéresse pas, je vais tout prendre. Ouais. Pire shot. Et le Dark Bomb. Voilà. Comme ça j'ai plus qu'un seul cœur. Et donc normalement je suis la pute de Babylone. Mes dégâts ont augmenté. Je sais pas, c'est parce que je suis. Du coup, je prends pas le cœur. Si je prends ça, c'est de la merde. En tout. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, je prends pas ça. Parce que si je prends ça, je remonte à 2 cœurs. Ah oui, là, voilà, je suis. Voilà, c'est bon, je suis à 7 de dégâts. Et là, on va commencer à s'amuser. C'est parti, les amis. Let us go. Let us go. Mon voisin va me détester. Ça y est, je suis transformé. Hein. Regardez, j'ai les cornes. Bref. Et là, je commence à tabasser. C'est pas pour moi ça. Mais pourquoi tous les ennemis c'est des élites de ces morts? Je vais mourir. Je vais mourir comme un gros. La colère évidemment. Casse-toi la bombe. Nicole, je vais ouvrir un passage. J'ai un rocher marqué. Alors du coup, si tu peux poser une bombe genre. Non mais genre. Arrête, non mais. Ah bah ça me va. Du coup, j'ai des bombes. Oh, je suis marqué. Hein. Ah oui, d'accord. Paf. Grosse onde de choc. Mange. Bien. Bah, je suis parti. Hein. C'est quoi il sort, Dark Bum? Pourquoi il vient de dropper une bombe? J'ai rien compris là. Dark Bum, il mange les cœurs rouges. Genre là-bas, normalement. Et il me donne des cœurs bleus. Et le truc, c'est qu'il faut qu'il aille les manger. Ah bah voilà. Merci. Tous les 1 cœur et demi, il peut me donner un cœur bleu. Je crois que c'est. Voilà, bah comme là, il vient de me chier un cœur bleu. C'est nickel. En vrai, le build est viable. Je pense que le build est viable. Salut l'ami Sneko, comment tu vas? Des bisous à ceux qui s'en vont. Bisous you. Salut lycéen, comment tu vas? Prochain live demain à 17h, évidemment, pour ceux qui s'en vont. N'hésitez pas. Par contre, Fearshot, ça s'active jamais. Hein. Je crois que c'est le principe. Ah, voilà. Voilà, et là que j'en parle. Ok.
Go par là. Ok, item room, j'ai des clés, j'ai deux clés. Très bien. Tout se passe bien. Faut juste pas que j'oublie de laisser les clés à Bum en fait. Les pièces. Ah non. Tout ce qui est tech machin là. Mange. Mange. Bien. Je le sais pas. Mais si si hein. Enfin voilà, j'ai encore des lacunes sur plein de trucs, mais il y a des trucs que je sais. Hop. C'est pour ça qu'en général, si je sais pas, je vous demande. Si je vous demande pas, c'est que je sais. En général. Prends. Ah vraiment? Mais c'est quoi? Allô? Salut Train, comment tu vas? Parce que, en fait, encore une fois, hein, faut pas me dire prends, hein. Ça sert à rien de me dire prendre. Faut me dire ce que c'est. Moi, si vous me dites prends, j'apprends rien en fait. Il y a que mes messages qui apparaissent sur mon chat. Et fais un petit F5, la Miss Déco. Ludovico. Ludovico, ça fait quoi déjà? C'est le laser pas ouf en vrai. Bah oui, le laser, c'est pas dingue. Non, c'est pas dingue, ça dépend lesquels, mais Ludovico, Ludovico, Ludovico. Tu tires des lasers tout droit. Non, non, Ludovico, c'est un truc différent, je crois. Faut contrôler ta tire dans la salle. Mais c'est dégueulasse, je veux pas ça, moi. Ah non, non, le truc avec la boule qui bouge. Non, ça c'est dégueulasse, moi je prends ça. Ah non, c'est immonde. Tu veux me buter, Shizuo ou. Shizuo, j'ai l'impression qu'il œuvre contre moi. Salaud, tu veux en infiltrer? Paf! Un hérétique! Meurs! Casse-toi, casse-toi, voilà. Meurs, 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 meurs. Ah! Bon, surtout pas cet item, ça te fera un contrôle sur un seul. Hein? Ça te fera. Oh, contrôler un seul tir. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est horrible. À l'autre salle, il y avait une chambre secrète. Oui, je vais sûrement aller la prendre, en dessous. C'est pas sûr qu'elle soit là, d'ailleurs. Trois clés. J'ai quand même vachement envie, mais j'ai pas beaucoup de clés. Hein. J'ai pas beaucoup de clés. Hein. Il y a des chances qu'elle soit là, mais il y a des chances qu'elle soit de l'autre côté aussi. Elle peut être là. Elle peut toujours être. Putain, mais je merde! Mange! Donne! D'accord. Oh, mais pourquoi? 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 Ah, mais le boss est là en fait, donc c'est bon, tout va bien. Il y a une carte, il y a une. J'aimerais bien avoir des bombes. Plus. Attendez, avant de finir la salle en fait. Génie, génie que je suis. Oh là là, je vais y penser quoi. Oh là là, mais quel génie. Comme ça, cette salle va recharger complètement mon item. Voilà, oh là 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 là. Je suis allé au médecin hier pour mon oreille gauche et la skip, mon tympan est enflé, c'est très douloureux. Bah, j'imagine, oui, Tran. Et ça va se régler ou pas? Ah mais je veux pas le wiggle wiggle moi. Wiggle wiggle. Casse-toi le wiggle. Merci. Une carte c'est quoi? High Priestess, ça fait quoi déjà? Je crois que ça fait descendre le pied de maman sur les ennemis. Une couche sale. Non merci. Ça va. On va utiliser une bombe ici parce que j'ai une batterie juste en dessous. Là. La batterie. Je vais aller. Bouffe le cœur. Voilà, bouffe. Dans un cœur. Voilà. Et. Ah oui, on fait encore une là. Oh, bon, on y va. Hein. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Oh, bon, ok. Je récupère. Mange! Donne! D'accord. Je. En vrai, je vais faire toutes les salles, je crois. Ah! Merci! Hop, et sans dégâts, c'est comment? Comment ça, sans dégâts? Hein? Je vois pas envoyer, gamin. Sans brimstone, c'est nul. Ah oui, non, mais oui, Ludovico, c'est dégueulasse, hein. Ludovico, sans brimstone, c'est dégueulasse. J'ai jamais checké la salle secrète. Je suis un connard. J'ai utilisé 12 000 bombes, j'ai jamais checké la salle secrète. Ah, mais elle peut pas être là en plus. Merci. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? En vrai, on sait pas. Allez. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Hop. Et donc la salle secrète doit être là, a priori. Donc on va y aller. Eh ben, elle est pas là. Elle est où alors? Elle peut être là. J'ai pas envie de gaspiller toutes mes bombes. Y'a pas une dernière salle que je peux faire? Si. Ça, je pourrais utiliser mon item. Plutôt que d'utiliser des bombes. Ah bah nickel. Ah nickel. Faut que je prenne de dégâts, mais nickel ça. Mais j'aurais dû laisser bouffer Dark Bum. Mais putain, mais quel connard. J'oublie tout le temps que j'ai Bum. J'ai tellement jamais eu ce truc que j'oublie. J'oublie. Salut Brocoli, comment tu vas? Putain, mais pour 3 pièces, ma vie est nulle. Oh, j'ai mal, fion. Je peux aller faire le truc tout en bas là-bas. Je suis tellement lent sur les étages, c'est horrible. Hein. Il y a un moment où il va falloir que je me dépêche. Hein. Le truc là-bas en bas, j'ai checké ou pas? Ou je peux pas y aller? Oh. Ah, mais c'est. Oh, mais. Oh, j'y vais.
Un thune. On s'en fout, hein. Je pense qu'on s'en fout, mais genre bien, quoi. Bien. Donc je vais mettre des pièces. Ah, super. Super, je suis content. J'achète pas, c'est de la merde. Au revoir. C'est énervant de contrôler un seul, je suis sur Switch, donc j'aime pas, mais je respecte ceux qui aiment. Bah moi le truc c'est que là, par rapport à mon build, je trouve ça débile de prendre Ludovico en fait. Je trouve ça, enfin... c'est... dans le... encore une fois, hein, dans le LOL pourcent, oui c'est marrant, mais pour le build c'est dégueulasse. On y va. Mega Fatty, je connais pas. Enfin je connais pas, j'ai jamais trop affronté Mega Fatty. Alors je sais qu'il va sauter un moment et... enfin il va sauter très vite à un moment. Après là il a peur, donc il va sauter sur place a priori. Il a plus peur, donc faire attention. Meurs sinon au moment. Voilà, c'est bien. Voilà. Tout speak, je prends. Mange. Donne un cœur. T'en bats les couilles, d'accord. Au revoir. Gup is head. Gup is head. Gup is... Mange. Mange. À moi. Donne. C'est bien. Et le mendiant à cœur. Le mendiant à cœur à qui on peut donner deux cœurs. Enfin... Je peux piffer, genre... en restant collé. Voilà. Il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Du coup, je pense que je vais prendre ça. Qui me donnera des mûches. Je pense. Même si les bombes, c'est peu, ça, c'est intéressant. Je pense que les mouches, c'est bien au-dessus. Qu'est-ce que vous en dites, le chat? Qu'est-ce que le chat en dit? Je pense que je vais prendre ça. Allez, bon. Pas ce que j'ai fait. Et je me tire, hein, parce que ça, je crois que c'est pas dingue. Hop. Est-ce qu'il y a une batterie quelque part? Pas l'air. T'as pas beaucoup de bombes. Oui, j'ai pas beaucoup de bombes, mais bon, guppy quoi. Des bisous, Hexago! Bonne soirée slash nuit à toi, et on se retrouvera demain à partir de 17h pour du Pokémon. Des bisous. Bonjour. Oh, bah oui. Ah! Pas ça que je voulais. J'ai failli foncer dedans. Il va me foncer dessus. Mourez les ZAD, mourez les ZAD. Yep, allez. Mourez les mobs. J'ai quand même pas beaucoup de dégâts, je suis quand même à 7 hein. Allez. Ah ça, je crois que j'oublie que j'ai backstabber. Oh putain, horrible. Au secours. Ok, je reste, voilà, attention à l'œil. C'est bon, tout va bien, il est mort. Ok, bah nickel. Ah putain, mais les bombes quoi. Oh. Ah. Oh. Oh mon dieu. Death Touch et Dead Cat. Death Touch et Dead Cat. Oh putain, je crois que je vais prendre les deux. Oh, il va me rester que deux cœurs. Est-ce que vraiment je prends les deux? C'est abusé. Oh putain, la moule. Bon, Death Touch, ça me paraît évident. Dead Cat, ça me ferait un deuxième item de Guppy. 9 vies d'abord. Et pourquoi Dead Cat avant? Parce que là, je ne dis pas, Death Touch fait quoi? Death Touch donne des cœurs, peut-être? 4 en first. Pourquoi? Je veux comprendre. Sinon, tu waste 2 cœurs. Pourquoi? Death Touch donne des cœurs? C'est pour ça, je suis pas au courant. Bonne nuit, Matt! Je suis passé en vitesse pour dire bonjour. Pas de soucis, poteau. À demain. 17h. Pour, évidemment, le prochain live. Pokémon. Dead Cat donne un cœur rouge, je savais pas ça. Ah, ça te remet un cœur rouge en fait, c'est ça? Quoi qu'il arrive, en fait ça t'enlève tous tes cœurs rouges et t'en donne un. D'accord. Du coup, Death Touch devient gratuit. Death Touch devient gratuit, putain c'est trop. En fait c'était encore mieux que ce que je pensais. Oh là 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 là. Ce build. Par contre la gueule que j'ai c'est infâme. Bonne nuit Karsama, bonne nuit à tous ceux qui s'en vont. Ok, putain je savais pas, oui. En fait je pensais que Death Cat mettait un cœur rouge. C'est-à-dire que si vous aviez plus de un cœur rouge, ça vous mettait un cœur rouge. Mais je savais pas que ça vous donnait un cœur rouge en fait. D'accord, les clés ont peut-être pas abusé, si j'en trouve je reviendrai peut-être. Ok, donc j'ai oublié d'utiliser mon Guppy's Head du coup. Donc on est un item d'être un petit chat.
Un petit chat. Un petit chat. Oh là là, oh là putain, la puissance. Et puis la puissance des mouches en fait, c'est surtout ça. Oh, si j'arrive à être guppy, mais cette run va être goldée, hein, vraiment. Vraiment. Ça finit en petit chat. En vrai, il y a tellement moyen que ça finisse en petit chat, faut vraiment que je fasse gaffe, que j'arrête de faire le con et. Je peux tellement devenir un petit chat rapidement là. Mange. Donne. Bête. Chie. D'accord. Ça va être. Au secours. Non, non, mange. Voilà. Pff. Il chie une bombe, d'accord. Il grossit quand en fait? Ouais, 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 ouais. Moulman. 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 Ah oui, c'est moi, Moulman. Ah, c'est Moulman 1000%. Ça fait son petit chat. En fait, si je trouve encore un item de Guppy, si je trouve un item de Guppy, eh bien, je deviendrai un petit chat. Et le petit chat, en fait, ça me donne une série d'effets bénéfiques. Donc, je vole. Comment dire? Je vole, je génère des mouches à chaque fois que je touche un ennemi. Non pas à chaque fois que je tue. À chaque fois que je touche un ennemi, je gagne des mouches qui font des dégâts. Et il y a encore d'autres trucs. Mais j'ai oublié. Je vais aller tout en bas, je pense que j'ai le temps. Yep. Et je vais pouvoir ensuite aller à gauche. Voilà. Plus. Hop. Voilà. Meurs, meurs. En gros. Il doit y avoir encore un truc que j'ai oublié par rapport à Guppy, je pense. Mange, 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 mange. Mange, donne un cœur. Donne, chie. Et prout. Allez, prout. Et... Il chie jamais en fait. Quoi? J'ai pas trouvé l'item room. Hein. Franchement, c'est cool ce qui se passe dans Clodo du micro. Ah, mais les gars, je peux pas être sur le Discord en même temps. Hein. Pas possible. Alors, du moment que c'est pas de l'ironie, qu'il se passe pas je sais pas quoi dans Clodo du micro, moi ça me va. Ça, c'est bon. Des vins? C'est un des vins ça? Je sais plus. Et du coup, je crois que c'est de la merde. Enfin, je crois que du coup, j'en veux pas. On va aller voir le shop. Il y a une carte qui peut être un joker. The High Priestess, j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est le cochon. Qu'est-ce que c'est le cochon? Il a chié une araignée. Ah! J'avais pas vu. Merci, GDK. Merci. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Ça fait quoi le cochon? C'est quoi, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Piggy Bank, un truc comme ça, non? Le piggy. Ouais, mais ça fait quoi? Encore une fois, me dites pas. Enfin, en fait, au-delà de me donner le nom de l'item, à la limite, dites-moi directement. Ça donne 3 pièces. Quand Isaac prend un dommage, une à deux pièces peuvent tomber. Et c'est tout, en fait. Et c'est tout. En vrai, ça combatte avec mon bum. Pourquoi pas? C'est ça. Tu fais chier de la thune quand un ennemi te touche, c'est ça. Cochon, ça donne de la thune quand tu fais toucher. Du coup, pourquoi pas avec avec Bum en fait. Mais c'est la seule raison pour laquelle je prendrais cet item, parce qu'en vrai, c'est... pas un quoi. Jamais. Hein? J'ai jamais quoi? À Banning of Isaac? En vrai, j'ai envie de prendre la carte. Je pense que je vais prendre la carte, et si j'ai assez de thunes à la fin de l'étage, je... Ouais, j'ai fait toutes les salles déjà. En vrai, j'ai envie de prendre la carte, parce que si c'est Joker, ça peut être très fort. Pour essayer de trouver un dernier item de Guppy. Eh merde. Two of Spades qui double quoi mes clés hein, c'est ça. Pourquoi pas, mais il y a encore des shops plus bas. Oui, c'est pour ça que je vais peut-être pas utiliser maintenant. Je vais aller faire la dernière salle pour faire un full clear de cet étage parce que bon j'en suis là au bout d'un moment quoi. Mais je suis à quel étage là? Ah, je suis cave 2 et je suis déjà aussi violent que ça. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Oh là là, d'accord. Ah bah oui d'accord. Bon, je vais avoir la thune normalement. Alguise. Justice, ça fait dropper des items. J'ai récupéré une pièce sans vouloir. D'accord. On prend ça. Mange. Voilà. Une carte. The Sun. The Sun, ça donne le mapping. Mais je préfère garder Alguise. Par contre, je vais tout démonter ici. Mange. Il grossit jamais. Ah, voilà. Joker. Putain.
Au moins j'ai les clés, hein. J'ai 24 clés. J'ai envie de mettre une bombe encore. La grille d'un homme. Liberty Cap, on va prendre. Regardez la guise. C'est quoi ça? High Priestess. Ouais, je grid, je grid, je grid. C'est pas bien. Des pièces. Mange, grossis. Il grossit jamais ce sac! Tu joues jamais les pills? Bah voilà. Là en vrai je pourrais dans le sens où j'ai pas de cœur rouge. Ah! Au secours! Voilà. Luck up, super. Et il y en a une là-bas qui traîne, ok. C'est pas Bumbo, il donne des items lui. Ah mais j'ai confondu avec Bumbo! C'est ça son nom Bumbo! Putain, je me disais bien que y avait un souci dans le. Enfin, il y avait une couille dans le pâté! Bonjour! Évidemment. Range down, ah super, je suis très content d'avoir une range down. Lock up. Mais putain, voilà. La range down là, c'est. Ouais, en vrai ça va. En vrai ça va encore. Allez, je me casse! Je me casse. Mega Man! Ah oui, ouais, j'ai pas vu souvent, mais je crois que ça va aller. Ah, il est noir! Ah bah du coup c'est gratuit. Putain mais il a acheté les araignées pile sur moi quoi. The Catacombe. C'est des items, des étages aléatoires. Enfin des étoiles. Ah j'arrive plus à parler. Des étages random en gros. Ok. Le HPA je peux le prendre là du coup. Vu que je serai toujours une pute de Babylone. Avec Darbum mais je sais plus. 3 super bon. D'accord. D'accord. Re Anis. C'est gratuit, Kamaten, quoi? Catacombe, c'est une variante d'étage. Ok. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ça, je prends, d'accord. Ça me fait un HP up. Safety Scissor, voilà. Donc là, c'est là où ça sert, parce que du coup, je vais être plus rapide que vous. Parce que vous, faut déjà que vous connaissiez l'item, ensuite que vous écriviez le descriptif, que ça arrive sur mon chat, que je le lise. Les troll bombes deviennent des bombes consommables avant et au lieu d'exploser, les bombes troll bombes deviennent des 1 plus 1 free bombs. Peut-être mieux que mon Liberty Cap. Dans le sens où j'ai pas beaucoup de bombes. Non, c'est pas le. C'est pas du tout, du tout les Picking Shears, hein. Pas du tout. Je confonds avec les Picking Shears, mon poteau. Je peux peut-être essayer de scout la salle secrète. Je perds trop de temps, je perds tellement de temps là. Ça peut pas être là. Du tout. Donc c'est peut-être là. En vrai, je peux pas. Ouais, c'est sûrement là. Ça peut être où? Ah là-bas au bout. Là-bas au bout c'est le seul, seul choix qui reste. Donc je vais y aller malheureusement. Enfin malheureusement. Le truc c'est que j'ai visé plein de bombes quoi. Mais je crois que ça peut être que là. Du coup. Ça peut être que là je crois. J'ai pas de bombes. J'ai plus de bombes. Oh. J'en ai marre, tout ça pour ça. Je me tire, j'en ai ras le cul. Ouais, je vais garder les ciseaux pour essayer d'avoir plus de bombes. Je pense que ça va pas mal. Par contre, je suis vraiment très très lent. Hein. C'est abusé. Mais bon, vu mon stuff maintenant, je pense que les étages vont aller assez vite. Donc, tout va bien. Picking Shears, c'est l'item de l'abus. Ouais, surtout dans un boss rush, ou ce genre de truc en fait. On y va. Pour éventuellement péter. Mange! Il a tout bouffé. Petrified poop! Il a donné 12 000 objets! Du coup, Petrified poop. D'accord. Par exemple, l'acide après. Oh là, elle est là, l'acide. Je vous laisse la prendre vite fait. Salut Lily, comment tu vas? Salut, salut, toujours pas débardeur? Bah non, non, il fait pas chaud aujourd'hui, tout va bien. Alors c'est V comme Valentin, 4, J comme Jean, C comme Christ, F comme François, A comme Arbrisseau, Y comme Yann et Z comme Zinedine. Voilà. Voici l'acide. Faites-vous plaisir, écoutez votre cœur. Je me casse. Mange! Est-ce que tu peux me manger de là? Non, tu peux pas? Il comprend pas. Il me regarde comme si le. Non? Ah, voilà! Voilà, c'est bien. Si tu chies un truc, c'est là, hein. D'accord, tu chies rien, on s'en fout. On y va. Ah non.
Travaille Satan aussi, tu peux te concentrer sur l'évitement des boules. J'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Les salles sacrificielles, je les fais jamais. En vrai, faudrait que j'y pense un jour. Alors, va manger le... Va manger. Voilà. Là, mange, mange. Par contre, si tu me le fais popper... Voilà, je vais vite me barrer, comme ça. Si tu fais popper un truc, ce sera dans cette salle-là. Il a rien fait popper, je suis très content. Mange. Je sais pas ce que c'est. Alors, le concert. J'en parlerai surtout demain. 8 inch nails. Bon, apparemment, c'est des dégâts. Et puis voilà. Hop. Du coup, le concert, j'en ai parlé au début du live. J'en reparlerai plus demain. Pour éviter de faire des doublons. Enfin, des doublons, des centuplons. Mais hop. Du coup, on va pas hésiter à passer demain. On aura le temps d'en discuter vu que ce sera du Pokémon. Ce sera beaucoup plus calme en termes d'ambiance. Donc voilà. Il a pop dans l'autre salle. Ah putain, ouais, il a fait popper quand même. Ok, bon, c'est bon. Merci, de toute façon j'aurais fait demi-tour parce que je n'ai pas... Ah, qu'est-ce que je cherche là? Je cherche quoi? Putain, je comprends rien ce que je cherche. On sait plus! Ça pousse aussi les ennemis. Ah, ça fait un knockback? Je me dirais... Oh, les ennemis, ils ont pas trop le temps de respirer en vrai. Bonjour? Ouais, non. Peut-être pas abusé, quoique c'est gratuit. J'ai 25 clés, c'est bon. Je me casse? Item... Enfin, salle secrète là, certainement. Très certainement, je vais vérifier quand même. Oh, 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 oh. Mais putain, mais... mais quel connard. Mais putain, mais c'est même pas là en plus, mais c'est où? C'était de l'autre côté. Oh, ma vie est nulle. Ma vie est nulle. Oh... Merde! Vite! 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 Putain, mais il y en a deux quoi! Pourquoi? Putain, je suis resté dedans! Vas-y, mon oiseau, va te battre! Pour la liberté! Ah! Bon, lui, faut rester, si bien compris, sur le côté. Comme ça. Pas trop de risques, tu te restes sur le côté comme ça. A priori. Voilà! Eh! Ok, petit cœur bleu, cœur rouge qui fait un HP up. Si. Hop, cœur rouge qui fait un HP up, du coup je ne vais pas prendre, je n'ai pas eu de Devil Room. Oh, j'oublie, j'ai Alguise, je me suis jamais servi d'Alguise. Dans la run d'avant, je suis mort comme un caca humain. Double Trouble. C'est à cause de... du nail peut-être. J'ai plus rien à faire à cet étage je pense, donc je vais me barrer. J'ai pas assez de bombes pour chercher des trucs, donc je me barre. Je me barre. C'était good. Ah oh oui, le concert était ouf. Hein. Comme j'ai expliqué, je vais revenir très rapidement dessus. Mais en gros, Alaska un petit peu déçu. Un petit peu déçu de Alaska. Je réexpliquerai demain pourquoi. Mais par contre, les deux autres groupes étaient géniaux. Oui, c'est vrai. Bah du coup, pour éviter de faire le connard, si je peux... D'accord, ça marche pas. Bah oui, pénétratif shot, trou de balle. Bah du coup, je vais y aller à pied, hein. Je vais me faire des dégâts. Ah. Jeu de jambes. Hop, du coup c'était Wars ou pas? Oui. Pff, faut que je claque des bombes. Hein. Je vais claquer une là. Ah! Quand tu veux, quand tu veux. Zildine. Écoute, voilà. Ah, mange! Mange! D'accord. Et si boire un verre d'eau ne fonctionne pas? Hein? Où vous parlez là? Two of Diamonds qui multiplie mes pièces. Je vais faire maintenant ce que j'ai oublié. Multiplie les pièces par deux, évidemment. Vite, 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 voilà. Meurs, 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 voilà. Black Tooth? Black Tooth? Je sais plus ce que c'est. Je crois que ça balance une dent, un coup de temps en temps, c'est pas ça? On dit... Ah si, c'est ça. Mais je vais peut-être vouloir garder ça quand même. Je sais pas. Je vous laisse, je viens juste de me rendre compte que... Je dois... Pour lundi, mon dieu, j'en ai fait zéro. Ah d'accord. Eh bien, courage à toi. Évidemment, Lily, merci d'être passé. Et en tout cas, prochain live demain.
Qu'est-ce qui m'a touché? J'ai pas compris. Demain à 17h pour le prochain live qui sort du Pokémon. Alors, Morsac, on va prendre. Ça va être cool. Et la bombe va s'en sortir du coup. Voilà. Et peut-être prendre la carte qui peut être un Joker. Qui est un Two of Hearts qui me servira absolument à rien. Je sais pas si j'ai envie de relancer la machine. Peut-être. Peut-être plus tard. Ok. On va rester loin. Une portée assez insane. Sackhead, j'aime bien. Oui. En fait, Sackhead, ça me permet de dropper plus de sacs. Et les sacs, en fait, me permettent. Enfin, en fait, les sacs contiennent plusieurs loots. Donc, en gros, au lieu d'avoir un petit loot, bah, j'ai plein de petits loots. Ok, parfois, il drop des ennemis. D'accord. Bon, DM pour demain, j'ai pas commencé. Bah, alors, Gamera, faut y aller là. Il faut y aller. Meurs, salaud. Merci. Là-bas. Et j'aimerais bien voir au moins une fois Satan ce soir, quoi. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai droppé un sac et une. La tique, je crois que c'est de la merde, hein. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est de la merde. Par contre, ouais, Bum, c'était vraiment pas fou. Hein. Je pensais que c'était Bumbo, moi, ou Bumby, je sais plus comment il s'appelle, là. Bouffe la pièce, vu que je peux pas la prendre, de toute façon. Ah, ok. C'est que le pitrash shot, ça va être facile. On est bon. Mange. En vrai, ouais, je devrais peut-être pas le laisser manger, je devrais récupérer des pièces. J'ai du boulot, pas de soucis. Dissertation, courage pour ta disserte, poteau. Le prochain live, ce sera demain à 17h. Merde, 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 j'ai pas vu. Quand je regardais le chat, j'ai pas vu où il avait sauté. De quel côté il avait sauté. Ah, j'espérais un chest qui me transporte. Ah, mais j'ai 100% de chance de level deal si je me fais pas toucher. Ok, deux clés, oui, j'en ai 26, on va y aller. Plein de bombes. Oh là, full clé, full bombe. Ah là, là, bon, là, on se met bien. 14 bombes. Directement, joueur français. Two of clubs qui va multiplier mes bombes. Ça y est. J'ai plus de soucis d'item. Tout va bien se passer. Par contre, il y a un cœur bleu qui a été droppé ici. Ah oui, non, d'accord. Je peux pas le prendre. Hop. Ah, grid. Très bien. On donnait pas de pièces, putain. Les dégâts, c'est pas grave. Le shop, il est où? Ah, j'ai pas trouvé le shop, bon, on va le trouver le shop parce que là j'ai plein de thunes. Je ferai ça demain. Eh bien bon courage à toi d'avance. Y'a quoi là-dedans comme machine? J'ai pas vu. Mais oui d'accord. Mais non mais il est là le shop, Connorman. Tétonator, ça me donne des bons mais. Pff. La pilule, je sais pas ce que c'est, tiens. Je sais pas du tout ce que c'est la pilule. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pour pas la tique, ça va? Genre enlever 15% de la vie de chaque boss. Et du coup elle te colle. Je peux plus la changer. Oui d'accord, c'est pas dingue quoi. Cette run tu le défonces Satan. Ah oui là, j'ai clairement un build pour aller défoncer Satan hein. Surtout que je suis Depth 2 De toute façon faut que j'utilise ma thune. J'attends juste pour du effet de la pilule que tu tiens. Ah putain mais deck of cards ça me permet d'avoir deux cartes. Mais j'ai pas besoin, j'ai pas de cartes. Ah, la mitre. Mitre qui va permettre de dropper plus de cœurs bleus, si je me souviens bien. Il me semble que c'est ça. C'est un objet de la poule de... La poule divine, quoi, God, quoi. Ah, c'est Sin Up. T'es sûr? Mitra? C'est Mitra, hein. Ah non. Ah c'est Mitre, Mitre tout court en fait. Mais non mais quel con, Mitre. Mitre, allô. Merci. Mitre. Donne une chance, environ 50% de convertir tous les cœurs rouges en cœurs d'âme. Bah je prends. Bon, Séraphin. Ah putain, il y a une transformation Séraphin. D'accord. C'est quoi les objets Séraphin hein? C'est quoi hein? Dead Dove, Guardian. Ah oui d'accord, c'est des... ouais, c'est vraiment des items... Ah non mais c'est pas Mitre. Ah non mais c'est pas Mitre l'item, c'est pas du tout Mitre, qu'est-ce que je raconte? C'est pas mitre, c'est quoi? Une charge quand tu te fais toucher? C'est ça? Ah mais du coup c'est pas du tout ce que je pensais, mais du coup c'est... Ah non ça peut être bien en vrai avec mon... Ouais je vais prendre. Allez. Enfin en vrai ça peut être bien avec mon... Ma tête de guppy, pourquoi pas?
Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, la transfo Séraphin, on y croit zéro, hein. Je vous cache pas que... Là, je suis Debs 2, pour avoir une transfo Séraphin, ça va être compliqué. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que dès que je vais me faire toucher, en théorie, je vais pouvoir déclencher mon Guppy's Head, du coup, c'est cool. Ah, oh putain, les dégâts que je fais, c'est insane. Regarde le pied, regarde le pied, regarde le pied. Insane les dégâts que je fais. Hein. Ok, deux pistes pareilles, donc je... Range down. Oh putain, rétrovision. Ah là, le build qui devient dégueulasse. Et bah Dark Bum encore et Et c'est The Pact par contre là. Là c'est... Oui c'est The Pact ça. Donc The Pact on va prendre. Je confonds toujours The Pact et Missing Page 2. Léviathan maybe? Non pas Léviathan hein. J'ai eu quoi en... Je pense pas hein. Bah The Pact. Ouais c'est tout hein. Est-ce que le Dark Bum j'en veux? Enfin est-ce que le... Ouais est-ce que j'en veux... C'est le Dark Bum ça? Je sais même plus. Non, c'est pas Dark Bum, Dark Bum c'est ce que j'ai là. Est-ce qu'on en veut de ce truc là? Je pense. Enfin, je sais pas en vrai. En vrai, on peut se le perdre, on a tellement de cœurs. On a tellement de possibilités de générer des cœurs. Qu'on peut se le permettre éventuellement, mais est-ce que vraiment on en a besoin? Oui, voilà, c'est Librimson, voilà, c'est ça. Je pense pas qu'on va le prendre en vrai. T'as assez de range. Oui, non, bah, puis même. Est-ce que j'en ai besoin? Je pense pas. Bon, franchement, je pense pas. C'est. Allez, je me casse. Par contre, Retrovision, c'est relou. Retrovision c'est ultra relou. Hop. 22h49 déjà. Putain mais cet étage qui fait tellement mal aux yeux. Alors avec Retrovision en plus, c'est l'assurance de perdre ses yeux. Ah oui j'ai 10,02 de dégâts quand même. Mange! Salaud! Dans la cœur. Chi! Tu veux pas chier? Non d'accord. Je vais me tenir loin pour que mes mouches restent vivantes. On va générer les mouches, hein. Bon, la pièce en bas, on va pas y aller parce que c'est un cœur pour entrer, un cœur pour sortir. Non? Oh, merci. Ok, vas-y, bouffe, de toute façon, mes pièces me servent plus à rien. On va passer à côté d'un Guppy, sûrement. Mais oui, je suis tellement proche, j'ai eu mes deux items étage 1 et plus moyen d'en trouver un après, quoi. Insane. Deux items de Guppy étage 1 et rien après, quoi. Là, tu me chies les clés, j'en ai 12 000. Ah! Bah oui, non, mais oui, viens manger ça! Dépêche-toi quand même! Voilà, parce que. On... Viens là! Chi! Merci! Salut Spectoplasma, comment tu vas? L'anus flottant! Plus de vitesse! C'est ça, hein? Pas du tout! Regardez ça! Au revoir! Oh là là! Oh l'ennui! Oh l'ennui! Le. Oh là là! Oh le penetrative shot c'est tellement fort. Death touch c'est tellement fort quoi. Alors que j'ai failli bouffer un caca rouge. Caca rouge qui font des dommages hein, je vous rappelle. Voilà. Des bombes, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bonne nuit Gwen, repose-toi bien. Bonne nuit à tous ceux qui s'en vont. Bonne nuit. Est-ce que j'ai le droit à aller dans cette salle-là? Oui. Les rochers marqués dans celle-là, je les vois jamais. Pff, on va le faire. Oh! Cricket scène, mon dieu! La moule! Putain, plus 5 de dégâts! Je suis insane! Je suis dégueulasse! Je suis immonde! Les gens me détestent! Je suis Moulman! Voilà. Détestez-moi! Détestez-moi, mes Malocs légendaires à encore frapper! Je suis désolé! Détestez-moi! Testez-moi! Mais surtout, j'ai 15 de dégâts! Norageux! De mes dégâts, j'ai 12 000 mouches! Qui me collent au cul! Ah! Ça, c'est pas une salle pour moi, hein, vraiment. Ah! Très bien. Ah, le Petrified Poop, hein, ici, qui aurait pu. C'est vrai que j'aurais pu aller chercher le Petrified Poop. Je sais pas quel étage c'était, par contre. Ça se trouve, j'avais déjà perdu. Par contre, ouais, là, le build devient insane, hein, vraiment. Voilà, là, c'est débile. Hein.
Là c'est vraiment débile. Ouais mange. Si jamais, parce que je pense que... D'accord. Bonjour. Putain, les dégâts quoi. Petite troll bombe. Bonjour. Hop. La cid, je voulais donner la cid ou pas? Je me souviens plus. Oh, c'est bon. Oui, je vous ai donné la cid. Bon, si jamais vous voulez pas, elle est là la cid, hein. Elle est là. Voilà. Vous avez le temps de faire un screen vite fait. Voilà. Hop, bah je me casse, hein. J'ai le boss, j'ai pas besoin de. J'ai pas de raison de continuer à faire mes tours donc. Si jamais t'as guppy, je mets mon chapeau. Bon, j'ai 33% de chance de level deal. Ça paraît compliqué. Mr. Fred, je connais pas Mr. Fred. Je connais pas du tout Mr. Fred. Ok, bah il est mort. J'ai pas de devil deal. J'ai une cuillère. Speed up. Speed up non négligeable. Pas indispensable, mais non négligeable. Du coup, j'ai pas eu de devil deal. Du coup, pas d'objet de guppy. Après, on peut toujours essayer de trouver l'objet de guppy. On peut piffer l'objet de guppy comment? On peut piffer l'objet de guppy dans des coffres dorés. Voici de quoi répenser votre chance, Seigneur Holo. Merci Ximota pour les 5 balles. Merci beaucoup. Merci. Merci Boto. Merci pour les 5 balles. C'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un speed up, ouais, un speed up intéressant, je pense. Alors par contre, l'objet backstabber, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait vraiment. Moi, je prends tout. Moi je génère des mouches en fait. Le tout c'est que je laisse pas mes mouches mourir sur des, voilà, sur des ennemis random. J'ai tellement de mouches. J'ai plus rien. Ah, ah j'écris à l'étage complet en fait. D'accord. Mon build est insane. Pas prendre de caca rouge, voilà. Est-ce que je peux accéder à la salle en bas? Pourquoi je l'ai pas faite? Ah non mais oui d'accord. On va la faire. Parce qu'on est des connards. Voilà. Du coup je suis vraiment un connard. Parce que j'aurais rien en fait. D'accord. Donc là j'ai juste perdu 2 coeurs pour rien. Ah, c'est vrai que je prends... Putain, c'est vrai que ça se recharge quand je prends des dégâts, putain. Excusez-moi, 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 je... Voilà. Bon. Écoutez, je... En vrai, la run n'est pas craquée, hein, mais bon. J'ai quand même de niquer 2 coeurs sur une porte de manière, voilà, sciemment, quoi. J'y suis allé, gratuitement. Ah! Bonjour? Oui. Tout ça pour une carte. J'ai toujours Algiz, hein, si jamais à un moment dans ce build je m'en sors pas. Et même Loki devient gratuit alors que d'habitude il y a quand même beaucoup de PV. Oh là 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 là. Meun. Téléportation salle secrète. Ah, oh, par contre ça c'est ultra chiant. Heureusement que mon build est pété. Ok. 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 Casse. Au secours. Avec toutes les mouches que tu as, tu me fais penser au titre d'un livre qui s'appelle Sa Majesté des Mouches. Mais tu peux devenir The Lord of Fly. Littéralement, la Majesté des Mouches. Hein. Tu peux devenir ce personnage dans le jeu si tu as suffisamment de. Comment dire? En fait, tu peux récupérer des items qui concernent des mouches, et si tu récupères suffisamment sur une seule run, tu deviens The Master of Flies, le maître des mouches. Hop, n'y a-t-il pas plus magnifique maître que le maître des mouches? Hop, meurs de WC. Putain, mais je roule sur le monde. Vas-y, bouffe et donne-moi un cœur bleu. Non, ça te dit pas là comme ça? D'accord. Je suis en train de full clear l'étage, comme un débilos. Mange, donne un cœur, cette fois c'est sûr. Ah! Putain, le délai quoi! Temps de digestion assez insane. Bonjour? Non, 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 pourquoi? Non, 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 non! Je suis pas mort. Par contre, les pilules. C'est pour me taper. Je me suis déjà pris un range down et tout. Ah, c'est con, ça aurait pu être bien contre. Ouais, contre un boss, on fait. J'ai tellement de dégâts que. J'ai combien de dégâts? 15,57, putain. Ah j'ai pas vu ça, j'ai pas vu venir. Tu t'ouvres un jour ou pas? Merci.
Mange! Dans la cœur. Elle vient de m'en donner un, je suis con. Ah d'accord. Elle s'est pas vu vivre, elle. Terrible ce jeu, hein. Un Dark Bomb Otis sur cette run. Mais c'est ça en plus, ouais, quand t'es Lord of Light, tu te transformes en grosse mouche. Tu deviens littéralement une mouche, quoi. Ah mais le boss est là en fait, d'accord. J'ai rien bité à ce qui vient de se passer. Mange! Il va me filer le cœur, alors que je parte vite de l'autre côté, voilà. Vite, viens, viens, viens! Ça se chie. Ça chier. Merci. Ah mais il m'a chié le cœur! Oh bah oui. Hein. Je me casse? Puisque là il me reste que la super secrète à trouver et j'ai pas envie de me faire chier donc je peux gambler dans la salle d'arcade. Pour de plus grand plaisir. C'est tout ce qu'il me reste à faire dans cet état, je pense. Je vais aller tenter d'aller gambler dans la salle d'arcade. Ah oui, je vais devoir faire un combat, bon c'est pas grave. Ah, c'est un peu chiant du coup. Je tombe sur un boss. Ah d'accord. Les dégâts. Ah oui. J'ai jamais repris mon Algiz. Attends. Amnésiman, s'est souvenu de quelque chose. Des coffres. Ah mais les pills Balls of Steel. Dommage. Ça commence à bien se passer hein. Ça commence à vraiment bien se passer cette run hein. Je sais plus quoi foutre de mes clés donc au bout d'un moment Infested, très bien, ça me donne 3 araignées. Bouffe. Ah mais ouais, par contre, ouais, s'il me donne un cœur, c'est chiant parce que je pourrais pas le prendre en fait. Il meurt jamais? Non merci. Lockpick, 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 j'en ai pas besoin, j'ai tellement de clés que... On va lui faire de la thune. Pff, ouais. Mais encore. Algis sur le mendiant, j'ai pas envie d'utiliser Algis pour ça. Fréchi utilise Algis juste pour un mendiant. Ah, je pourrais, hein, je pourrais, mais c'est vrai qu'Algiz me servira tellement jamais que... C'est pas le bin qu'il faut prendre plusieurs fois, celui-là? Non, je pense pas que ce soit celui-là. C'est le bin qui fait du knockback. Non, j'ai pas Algiz le marchand, on s'en fout, hein, j'en suis pas là dans ma vie. Par contre, je peux bomber ça gratuitement. J'aurais dû bomber le marchand en même temps, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Oh! Ah oui! Jugement, jugement, ça fait paraître un. Putain, l'infinisation. Magicien, non. Two of Spades. Qui multiplie mes clés par deux. Jugement qui va faire apparaître un mendiant. Ah, dommage. J'en ai un deuxième. Ah, mais putain, mais. Pourquoi? Pourquoi? Prendre ça. Ça, c'est The Magician, on n'en veut pas. Death, qu'on va pas prendre puisqu'on a Algiz. Et puis go hein. Trade avant de prendre le cœur. Quel cœur? Trade quoi? Ça? Ah mais je peux faire ça! Ah mais je savais pas que je pouvais donner des cœurs à la con! Ah d'accord! Ah oui du coup d'accord! Ok, ah mais dommage du coup je me serais collé si j'avais su. Ah je savais pas que je pouvais trade... En fait je pensais que c'était que des cœurs rouges. D'accord. Okay, mais techniquement... Techniquement je pourrais... Je vais me casser. C'est ce bin holo, fais-le. Oui, mais ça fait quoi aussi? C'est quoi? Je comprends rien. Bon, d'accord, faut le prendre 10 fois. C'est pas ça l'esprit? C'est ce que je dois faire là? J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va pas.
perdu à avoir énergie, pourquoi pas. Hein. Voilà, j'ai les mouches à plus qu'on s'en foutre, hein, au bout d'un moment. Il se passe rien avec le bin là. C'est normal? Mange! Ah mais ouais, ça sert à rien. Il va me chier un truc et je vais pas pouvoir le prendre. Bon, je me casse! Je pense pas que ce soit celui-là de bin, hein, parce que là j'ai pris 12 fois et ça servait à rien. Ah mais j'aurais eu deux objets si j'avais réussi à les buter tous les deux. Je connais pas les conditions. Bon, on le reverra de toute façon, c'est pas grave. Ce que je me dis là, mon build est déjà tellement pété que... Home's Heart, c'est parti! La PLS d'une vie. Ah d'accord, pas du tout en fait. Et je suis obligé de m'arrêter là. Parce que je n'ai pas eu de Devil Room. Je n'ai pas eu de Devil Room, donc je suis obligé de m'arrêter là. Donc, ouais, j'ai 72% de 72% de Devil Deal, hein, pas plus. Donc, je vais. Pas censé être un jeu dur, ça. Bah, ça dépend les items que tu chopes. Je vais quand même essayer de regarder les dernières salles au cas où il y aurait moyen de piffer un Joker ou j'en sais rien. On sait jamais, même s'il me reste pas beaucoup de salles à regarder. Ou un coffre rouge qui me TP, mais ça fait tellement chier que mon build s'arrête là. C'est horrible que mon build s'arrête là. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud, je vais pas voir ce que je veux. Je vais pas voir ce que je veux. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chat? Elle a encore droppé un Algiz. Je vais pas me servir. Range down. Pense make you larger. Nope. Eh bien, c'est mort. Je sais pas ce que je peux choper la Sacrifice Room. Je vais checker là que je peux. Et puis. Et puis voilà. Hein. En faisant ce genre de run que tu débloqueras la cathédrale et les autres chests aussi. D'accord. Bombe tout. Bombe tout. Oui, je vais essayer de trouver la super secret, ça que tu veux me dire, je pense. Là c'est l'ennui, hein. YouTube, si tu vois ça, voilà. Ah bah, pff, direct. Oh! Ouais, mais ça ne sert plus à rien. Ah, si seulement j'ai pu buter le marchand ici, on aurait eu quelques pourcentages en plus. Voire un devil deal, parce que si je l'avais buté, j'aurais eu. Genre 5% en plus. Eh bien, tant pis. Oh, j'en suis pas là. Tu m'as donné un joker, non? D'accord. D'accord. Eh bien, je crois que je suis niqué. Je crois que je suis niqué. Ouais, je suis niqué. Je pourrais rien avoir de plus. Putain, c'est tellement con avec une run pareille. Avec des. Enfin, 9 vies, j'ai tous mes cœurs pleins. J'avais le truc qui me donnait quasiment des cœurs bleus à l'infini. Le Dead Cat. Enfin, je. Non, pas le Dead Cat, enfin, Guppy. Bon, tant pis. On termine. J'ai pas de moyen de moyenner, je pense. Hop, on finit! On finit! Regardons la cinématique! Je crois qu'il y avait le curseur sur l'écran pendant toute la game. Salle de sacrifice! Ouais, putain, oui, j'ai oublié de la faire. Tant pis. Je pense pas que j'aurais eu grand chose en vrai. Traitement expérimental? D'accord. Oh putain! Terrible! Terrible! La sacrifice room, ça aurait pu faire quoi? Parce que c'est vrai que j'ai dit à la faire, du coup après j'ai oublié, mais Hop. Terrible. Du coup, YouTube, si jamais tu vois ça, au revoir. À la prochaine. Salut, hein.